Chose promise, chose due, comme vous le savez, dans la dernière vidéo Invocation avec Hypnose, je vous ai fait un petit concours pour gagner pas moins de 80 € d'Amazon Coins, donc qui sont tout simplement la monnaie du store d'Amazon, qui permet de vous acheter des packs dans le jeu en installant simplement le store. Je vous mets le lien dans la description comme d'hab, n'hésitez pas à aller check, et puis je vous fais le tirage en live là, comme ça vous savez que c'est safe et que il n'y a pas de galère. Donc hop, on va faire tout simplement le tirage. On pique le gagnant et le gagnant c'est Johan Philippe Marcelin. Donc Johan, t'as juste à mettre dans les commentaires là ton adresse email ou ton adresse Twitter encore mieux que je puisse te contacter pour t'offrir donc cet argent. N'hésitez pas à check juste cette vidéo, ça va être un petit test avec mon hypnose. Ouais, je les drop, vous verrez. Et sur le bouton et juste ici, vous avez l'analyse et les invocations du perso. Si vous n'avez pas encore vu, bah n'hésitez pas. Bonne vidéo. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sensia Awakening. Et aujourd'hui est un jour de fête, jour incroyable les frérots. Parce que tout simplement, j'ai continué à faire les singles journalières sous hypnose. Et il s'avère que... Eh bien oui, comme vous l'avez vu, énormément de chance cette fois, enfin j'ai envie de dire, après avoir été cherché au char Miyu, Shen, Shiryu God Close, j'ai enfin eu un perso avec un bon taux du coup. J'ai là mon petit Hypnose, ça fait grave de chez grave plaisir. J'ai commencé à le monter du coup, j'ai un premier jet comme d'hab, quand j'ai le perso au début, je mets avec ce que j'ai, je raffine un peu à droite à gauche. Je vous montre son premier jet et derrière je vous referai un test quand il sera vraiment bien stuff. C'est pour avoir une première impression et du coup vous pourrez avoir aussi tout simplement plusieurs builds. Dans le sens où là ça va être un build qui est assez accessible, où faut pas être un tryharder de fou malade pour l'avoir. Donc c'est des dégâts que n'importe qui peut avoir. Alors on va commencer par les stats. Donc les stats, on va avoir pas moins de 32 000 HP. Alors là, j'ai raffiné surtout pour ce qui est du vol de vie et un peu l'attaque P. Donc il y a vraiment une grosse marge de manœuvre, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc 32 500 de PV, 6475 d'attaque. Du coup là, il y a facilement, je pense, 500 d'attaque à gratter si je bidouille à droite à gauche et je prends des meilleures runes. On a 360 plus 204 de vitesse. Vous allez dire c'est beaucoup, mais en fait non. Hypnose, on peut lui mettre facilement 650 de vitesse. Après, ça demande des doubles vitesses. Donc ça, c'est énormément de farm. Mais en ce moment, j'ai beaucoup de taf. Et puis, bah, je reprends le taf là. Du coup, là, le confinement, tout ça, c'est fini. Je recommence le taf. Bon, j'ai fini la période d'examen. Donc ça va mieux. Mais quand même, c'est un peu compliqué. Comme vous voyez, en plus, je dois débeller James à côté maintenant. Donc le farm de Cosmo, il va attendre tranquillement. Pour l'instant, je vais jouer comme ça. On va passer. Et bien sûr, j'ai oublié de vous le dire. 11% de vol de vie. Alors on va passer maintenant au skill, à combien je les ai montés. Donc on va avoir du 1-1-4-4. Je suis en train de fermer un doublon supplémentaire avec tout simplement l'amitié. Je suis à 120 shards, un truc comme ça. Je farm tous les jours, j'ai une petite team amitié 10, ça va plutôt vite, c'est plutôt cool. Donc je suis à 4-4. Je suis à 1-1-4-4, c'est pas mal. Après je voudrais mettre rêve éthéré au niveau 5. Pourquoi? Parce que j'ai déjà les 100% de chance de gagner un tour supplémentaire. Et je voudrais avoir en plus de ça 100% de chance d'appliquer la marque, donc le saut du cauchemar. Ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement d'aller le tester en arène des chevaliers, sachant que en PVP il peut être ban. Alors il est un peu moins ban que sur les autres versions quand même. J'ai remarqué que je pouvais jouer dans à peu près un tiers des games, peut-être un quart. Je pense que c'est dû au fait qu'il y ait Shen God Close qui est sorti il y a pas longtemps et Shiryu aussi, qui ont bouffé énormément de tomes à pas mal de monde et qui ont mal géré, donc ils ont pas pu à la fin le monter. Donc tant mieux pour les gens qui l'ont. Tant mieux pour les gens qui l'ont, j'ai envie de dire. On va défier, hop, allez, on va défier celui-là ici. Et je vais tout simplement vous montrer un peu son gameplay, expliquer la façon dont je le joue.
À savoir que je vais pas jouer avec Luna, pourquoi? Parce que j'ai pas encore farmé tous mes doubles vitesses. Faudrait une Luna qui ait plus de 650 de vitesse. Et c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Donc à ce niveau là j'ai pas encore mis la Luna. Donc il est beaucoup joué avec Luna pour qu'il soit encore plus destructeur. Là je vais vous montrer un gameplay sans elle. On va vous montrer aussi, hop, je vais me poser donc, parce que je sens que Shura va faire trop mal. Donc on va mettre Poséidon juste ici. Et puis écoutez, bah c'est parti, let's go. C'est parti, donc on va tester ça, on arrive déjà. Alors, Hypnose, est-ce que je joue en premier? Donc, la chose à faire, on va avoir le skill ici 3 qui va poser donc une marque et qui va en plus de ça révéler un nouveau skill. Donc là, on va tout simplement poser une marque sur Shura, tiens, on va poser une marque sur Shura. 70% de chance de proc. La marque a été posée, vous voyez, avec le petit pentacle. Là maintenant, on a les effets, les différents effets. Donc on a perdu. Ça va permettre tout simplement de récupérer des HP en fonction de votre attaque physique. Et en plus de ça, plus il y a de persos adverses qui ont la marque, plus vous allez récupérer d'HP. Là, vous allez avoir des dégâts. Donc de la même façon, comme vous voyez, hop, on va jouer ici, ruine. Ou peut-être, je vais vous montrer tous les skills comme ça pour le fun. Donc, hop. Voilà, vous voyez que là je vais réduire sa vitesse et que sa vitesse va être encore réduite derrière quand il va jouer son tour. Donc c'est ça qui est intéressant dans les skills d'hypnose. Donc ça c'est son passif qui s'active. Ça va permettre en fait, par exemple quand ça fait des dégâts, ça, si vous prenez effondrement qui va faire des dégâts, vous allez faire des dégâts sur le coup et des dégâts après quand le perso joue. Donc là vous voyez j'ai bien baissé sa vitesse. Ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais venir plonger le Shiryu dans un cauchemar qui va permettre juste après le tour où il joue de l'endormir et qu'il ne puisse pas réaliser ses actions, donc qu'il ne puisse pas contrer. Comme vous voyez là, on a Shiryu qui a donc deux sauts du cauchemar et Shura qui a deux sauts du cauchemar. Au prochain tour on va faire effondrement pour vous montrer un peu des dégâts. Alors à savoir aussi que lorsque l'état cauchemar se finit, donc au bout de deux tours, vous infligez aussi des dégâts en fonction du level d'hypnose. Donc moi le skill est level 1 c'est 200, mais au level max c'est 400%. Donc c'est des dégâts non négligeables clairement. Ici on va juste venir protéger, hop, par notre petit showcase tranquillement. On va balancer une petite vague, il n'y a pas de soucis là dessus Ah, il joue un Mio rapide, il dit d'accord. Ah non, quoique non, j'ai n'importe quoi en fait, c'était juste le skill qu'il a quand il s'est transformé. Donc on va venir tout simplement protéger ici, tac. Hop, on va éviter de mettre une marque pour pas qu'il contre et qu'on perde du temps. Bon, le Milo il risque d'être loup. Comme vous le voyez, là, Shiryu est donc en état cauchemar. Donc ici, il ne peut plus jouer. Et en plus de ça, en dehors de son tour, les actions ne vont pas se faire. En fait, ici, il a pas eu le temps de lancer son skill. Du coup, il a même pas pu proc le bouclier. Alors là, je vais vous montrer maintenant perdu. Donc perdu, ça restaure des HP. Donc je vais vous mettre, je vais vous montrer ça tout de suite. Regarde, tac. Voilà, j'ai récupéré 11 000 HP. 11 000 HP et en plus de ça, je vais encore récupérer des HP après le tour des joueurs. Vous allez le voir. Ici, on va tout simplement essayer d'endormir la Athéna pour pas qu'elle fasse trop mal. Voilà. Vous voyez que la Athéna s'est endormie directement. On va venir tout simplement cacher notre hypnose. Pour pas qu'on prenne trop cher à ce niveau là. Bon là faudrait que je mette un peu les bouchées doubles au niveau du on va venir tout simplement. Alors bon, on va venir tout simplement mettre le double tour ici sur deux coups pour qu'il puisse lâcher les dragons. Voilà, vous voyez que là après son tour j'ai encore récupéré des HP. Je vais vous mettre au ralenti, ça va le refaire. Je vais vous mettre au ralenti, bon c'est pas très intéressant, on va juste, voilà, hop. Voilà, là on se prend des dégâts, hop. Et voilà, il se prend les dégâts derrière. Et là on va venir encore une fois, il derrière, pouf, voilà. Donc là comme vous le voyez, c'est plutôt énervé. Bon là par contre, faut pas trop que je laisse faire parce que ils commencent à prendre la confiance quand même. Ils commencent à prendre la confiance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre les dragons ici. Comme ça, ils se dispersent après à côté.
Voilà, comme vous voyez là, j'ai récupéré full vie. Hein. Comme vous voyez ici, le Pinos, j'ai récupéré full vie. Comme vous voyez, il est full vie là. C'est un délire. C'est un sacré délire quand même, il est full vie. Voilà. Regardez les dégâts colossaux qu'on a fait. Là, du coup, je vais mettre ruine pour vous montrer les dégâts de ruine. Regardez sur Athéna les dégâts. Hop, 23 000 sur Athéna. Et 16 000 sur Shiryu qui est sous l'état cauchemar. Donc ce skill là, ça permet tout simplement de transformer les buffs en, marque du cauchemar. Est-ce que ça marche avec... Je pense pas que ça marche avec... On va essayer sur Shura. Est-ce qu'on essaie sur Shura quoi? Allez, on va essayer sur Shura. Est-ce que ça va transformer ou pas? Ici, ça n'a pas transformé ces buffs. Donc ces buffs là, on peut pas les transformer. Comme vous le voyez là, Shiryu, il a 14 de vitesse en moins. C'est juste un délire. On va venir lâcher un petit Arashinome là pour un peu nettoyer le terrain. Donc comme vous le voyez, il a fait quand même des dégâts qui sont assez impressionnants. On va venir clean ici. Voilà, bonne chose de faite. Et comme vous voyez, il continue à récupérer de la vie là. Sur le perso sous cauchemar. Comme vous voyez les dégâts qu'on a fait à Shiryu. Regardez les dégâts, remettez un peu en arrière, regardez la vie de Shiryu, comment elle a défilé, alors que j'ai fait que, tout simplement, tout ce que j'ai fait, c'est de taper avec... on va remettre un perdu ici, parce qu'on n'a plus de marque, et on va venir tout simplement relâcher la marque du cauchemar pour le fun. Là c'est fini, hein. Clairement là c'est fini, c'est juste pour vous montrer, hop. Alors, on va mettre la vitesse en x2. Donc comme vous voyez, il a fait énormément de dégâts, on a récupéré énormément d'HP de la même façon. Bon ok, il veut mourir le Mew adverse. Ah, par contre c'est vrai qu'on prend pas mal cher dessus. Moi c'est pris du coup le renvoi. Bah écoutez, c'est fini pour lui. Je pense que le potentiel d'Hypnose, on l'a bien montré dans cette vidéo, du coup. Si vous analysez et vous regardez bien, en fait, chaque fois les dégâts qu'il inflige, c'est juste trop fort. Sachant qu'en plus de ça, j'ai fait effondrement qu'une seule fois, qui est le sort principal qui inflige des dégâts. Donc ce qui va être très fort sur Hypnose, en fait, c'est que la cible qui va être sous cauchemar et qui va rester longtemps, elle va à chaque tour prendre énormément de dégâts, que ce soit en mettant ski heal ou tout simplement l'effondrement. Ce qui est intéressant quand tu double tour, c'est que en fait il va tout simplement pouvoir mettre plus de marques du cauchemar, plus de persos sous cauchemar, et tu vas en fait démultiplier l'efficacité du hit, parce que plus ta marque de cauchemar, plus ça fait de dégâts et plus tu récupères de PV. Donc il y a vraiment beaucoup de synergie avec ce perso. J'espère que ce petit test vous a plu, j'espère que il vous aidera un peu à le jouer. Vraiment n'hésitez pas à un peu regarder, parce que c'est assez sneaky en fait. Rien qu'au premier tour, quand j'ai mis le heal, vous voyez bien que je me suis, entre le début et la fin du tour, Hypnose a récupéré tous ses HP, alors que mon attaque physique est assez discutable, c'est pas mal, mais bon, c'est faisable assez facilement, on peut avoir beaucoup plus. Donc un Hypnose bien monté, vous comprenez qu'il soit permanent tout le temps. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, je vous souhaite beaucoup de chance pour vos invocations, et puis à la prochaine, ciao ciao, portez-vous bien.